Salut à tous, ouais, pour une fois c'est pas une vidéo gentille, non. Le monde est méchant. Aujourd'hui on va voir si t'es un fils de Kaiba, ouais, t'as compris où je veux en venir. Je vais poser des situations qui ont chacune plus ou moins de points, tu comptes si ça te correspond et tu vois à la fin sur 40 combien t'as. Ouais, par contre je préviens, y a pas de gentillesse dans cette vidéo, comme ça t'es prévenu. Bon, t'es prêt? Bah go. Si tu râles à chaque fois qu'il y a des reprints qui sortent, c'est plus de points. Tout le monde n'a pas commencé Yu-Gi-Oh! En même temps, donc si tu penses qu'à toi, bah voilà, 2 points cadeaux. Bon, celui-là, il est normal et basique, tu vois, mais si tu rages chaque fois que tu perds, c'est plus 1. Bah ouais, c'est un jeu. Si tu vends des cartes sur Card Market le moins cher possible, juste parce que tu veux qu'elles soient vendues, bah c'est plus 3 points, parce que tu nies complètement le marché avec tes prix pétés à faire perdre de la valeur. Bon, après, je parle pas de mettre 1€ en moins, on est d'accord, je parle de ces fils de Kaiba qui mettent 5 ou 10 balles de moins. Bon bah si tu joues Man Mystique, c'est plus 1, voilà, c'est cadeau. Si tu te permets de juger le deck des autres, je parle pas de l'aider à l'améliorer, et tu vois très bien de quoi je parle, le petit gars qui veut jouer fun, genre Ojama ou un truc dans ce genre là, et s'éclate en tournoi et que tu lui balances qu'il a rien à foutre là, bah c'est plus 4 dans ta gueule. Ouais, tout le monde joue pas SS ou Drytron et on est là bah pour s'amuser quoi. Si quand il y a une fille qui joue dans la boutique et que tu restes fixé sur elle, bah c'est plus 1. Respecte-toi un minimum, respecte-la. Si en plus tu veux l'affronter juste parce que c'est une fille, bah c'est plus 1 aussi. Et si en plus tu veux l'affronter parce que tu penses qu'elle est moins forte, c'est plus 1. Ouais, ça existe des gens comme ça. Change ta mentalité, sérieusement. Si tu craches sur le speed duel ou le rush duel, alors que tu as jamais joué, c'est plus 2 points. T'as toujours pas compris qu'il faut des nouveaux formats pour faire découvrir le jeu aux plus jeunes et relancer la série, donc bah voilà, plus 2. Pendant le Covid, avec les tournois, tu pouvais pas toucher les cartes de ton adversaire, ou bah sinon tu faisais du remote, hein, et donc t'as pas la carte sous les yeux. Et t'en as quand même qui ont réussi à inventer des effets, bah juste pour gagner. Bah si t'as fait ça, c'est plus 2. Et en gros, chais pour toi si en plus tu t'es fait cramer. Si t'as déjà volé des cartes dans une boutique ou dans le classeur d'un type, bah c'est plus 5. Y a pas plus gros FDK que toi. Je dis FDK, hein. J'essaie de rester poli. Si tu tires la gueule dans un duel, c'est plus 1. Parce que bah tu peux dire bonjour ou bonne chance, ça te coûte rien quoi. Tout à l'heure, je parlais des gens qui jugent les decks des autres, mais des fois, t'as des débutants qui veulent découvrir comment ça se passe en tournoi et viennent avec des decks de structure. Bah si tu te fous de leur gueule, c'est plus 2, parce qu'au lieu de l'aider, bah tu te fous de sa gueule. Ah par contre, faut pas abuser, mais si tu vas quand même en tournoi avec le deck de structure, je te mets quand même plus 1, parce que faut un équilibre, fais un minimum d'effort quoi, renseigne-toi un petit peu quand même. Si tu vas en tournoi avec le dernier deck méta juste parce que t'as envie de gagner, bah c'est plus 1. Bah ouais, l'originalité ça existe, trouve la tienne, trouve-toi un deck, enfin je sais pas. Si tu critiques Melfi, c'est plus 1, c'est cadeau, voilà. Plus en plus si t'es pas abonné. Ouais, j'offre des points cadeaux, comme ça, je suis généreux. D'ailleurs, en parlant de Melfi, si tu perds face à ce deck ou un autre deck que tu juges nul à chier, bah c'est plus 1 aussi. Pas besoin de développer. Si tu joues le time pendant un tournoi car tu sais que t'as aucune chance, alors là, laisse-moi te dire que t'es le pire des FDK et c'est plus 3 points parce que t'as vendu ton âme pour une victoire. Garde ton honneur, frérot. Si tu joues dans ton coin sans expliquer les effets en pensant que tout le monde connaît ton deck de FDK, bah c'est plus 1. N'aie pas peur de la N-Trap ou de la Negate, parce que franchement tu la mérites vraiment du coup. Si tu préfères Kaiba, plus 1 point. Non, je te dis, personne aura 0 point, t'en fais pas. Puis bon, c'est le principe, hein, FDK pour pas dire fils de pute. Si tu flexes avec ton deck tout pimpé par Pimp My Deck car t'es tout fier d'avoir toutes les meilleures raretés pour tes cartes, bah c'est plus 1 point. Et encore, je suis gentil, hein, mais je me dis qu'on habite pas tous à Malte, alors bon. Si t'ouvres 10 boosters et que tu te plains de rien avoir, c'est plus 1. Et plus 1 en plus, si bah, t'as toujours rien alors que t'as ouvert une display. Bah ouais gros, t'es vraiment malchanceux et ça doit être le karma, donc c'est pas innocent quoi. Il y a quelques temps, Konami avait fait un communiqué expliquant qu'il fallait respecter des règles d'hygiène pendant les tournois. Bah normal hein, mais si tu mets du déo juste pour passer cette règle, bah c'est plus 1 point. Bah ouais, va te laver là, sérieusement. Bon bah si t'es entre 0 et 10 points, bah bravo, t'es un BG de la Yugisphère, mais t'es pas un FDK. T'es peut-être autre chose qu'on verra dans une autre vidéo. Si t'es entre 10 et 20 points, bah là tu commences à être un FDK, mais c'est pas perdu. Fais un petit effort et tu verras, ça ira mieux pour toi. Entre 20 et 30 points, bah aïe, là ça commence à piquer à ce niveau-là frérot. Je te cache pas que sur le level de la FDK, t'es assez élevé. Mais au moins, tu sais où t'améliorer, enfin c'est pas déjà trop tard.
Voilà, on a touché le fond du panier. Là, on peut plus rien pour toi, gros. T'as perdu totalement et je pense que même Marek il se chie dessus quand il te croise dans la rue. Ça m'étonnerait même pas que tu fasses partie de ceux qui contournent la règle de Konami. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Marek change de trottoir. Bref, voilà, c'était une vidéo assez cool que j'avais envie de faire. On fera aussi le contraire, on va essayer de rester et d'aller vers le positif. Mais voilà, c'était Evals. Pense à t'abonner, à partager cette vidéo pour voir le niveau de FD4 de tes potes. Et je te dis à la prochaine. Salut!